m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est toi qui m'as choisi à mon salaire. Thank you.
Ça fait combien de jours ici? 7 jours. Elle avait le cou enflé. Et ça disparaît. Le cou est enflé. Attends-toi ton miracle.
savez que ce n'est pas facile notre ministère. Nous avons déclaré la guerre contre les œuvres de la sorcellerie. On se lève le matin. Le travail que nous a donné après la guerre avec les sorcières. Les désarmés et les étudiants. Parce que la sorcellerie est le mal cruel de l'Afrique. Et c'est la sorcellerie qui fait l'Afrique par état. La définition venait de lancer le sort. Celui qui lance le sort. Tu ne lances pas une sorte, tu n'es pas sorcier. Amen. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Je dis dans l'histoire des blancs. Ils ont combattu la sorcellerie. Prenons l'exemple sur le blanc. De ce côté-là, beaucoup négligés. Vous faites partie des pays émergents aujourd'hui. Ils ont combattu la sorcellerie. Cette expression, la chasse aux sorcières, sont peut-être envoyés là. La prospérité s'installe. On dit amen. Parce que la sorcellerie, elle crée la pauvreté. Vous savez que la Bible, il y a deux grandes parties de l'or. Et il y a le monde qu'on appelle le monde invisible, le monde spirituel. Et le monde visible. Amen. Amen. De toute façon, il y a la prison physique. C'est la prison spirituelle. On peut t'introduire dans une prison. On peut te donner dans une maladie mystique. Que même les scientifiques ne pourront rien faire. Parce que la science nous sait de comprendre, d'expliquer et de comprendre les phénomènes de la nature. La science nous sait de comprendre et d'expliquer les phénomènes de la nature. C'est un phénomène de la nature que la science ne croit pas. Vous allez demander à des grands scientifiques. Ce sont les scientifiques qui nous ont dit que l'homme est constitué d'une âme, d'un esprit et d'un corps. Mais demandez à un scientifique, montre-moi l'esprit. Il est capable de parler de l'esprit de l'homme. Tu vas demander aux scientifiques, l'âme de l'homme c'est quoi? Il est capable de définir. Ils sont limités par donc, ils nous font croire que ça n'est pas aussi la sorcellerie. Nous nous combattons la sorcellerie. Nous ne faisons pas comme les gens le font dans le passé. Où les gens brûlaient les sorcières. Au bichet. Non. Pour nous, la sorcellerie est une maladie. Et ça a été vraiment l'objet d'un débat. Mais ils sont malades. Les sorciers sont malades. Les sorciers sont possédés. Ils sont animés d'un esprit. C'est un esprit qui les anime. On a ce démon. On veut le détruire. On est prêt à détruire. On est prêt à détruire. Prêt à gâter. Ils ont la capacité de détecter les droits d'une personne qui est symbole de gloire et de bénédiction. Ce qu'ils attaquent, ils détruisent parce qu'ils ont un pouvoir mystique. Ils peuvent te nuire. Donc le sorcier, c'est un danger pour lui-même. Parce que là-bas, c'est une confrérie, c'est une confrérie. Le jour du don plus, il y a un fortement. Amen. Amen. Oui, là, c'est rapide. Je mange vite.
Tu as mangé pour lui, va manger. Si tu refuses, on te prend. Voilà. Vite. C'est une torture humaine. C'est comme ça. C'est pour ça qu'enfant, ne reçois la parole dans la confrérie. C'est que tu as donné quelqu'un. Personne dit non, les sorcières, la patrie, c'est faux. Amen. Et c'est cela que la sorcellerie est un mal. Il est à cause de la sorcellerie, nos parents ont peur d'aller au village. J'en profite pour dire merci à l'État ivoirien. Parce que cette semaine j'ai été reçu. Nous avons reçu un courrier au ministère de l'Intérieur. J'en profite pour dire merci à M. Baba Cheikh. Bonjour. Ils ont le cabinet du ministre de l'Intérieur. Ils ont le cabinet. J'étais à la direction du culte. Les gens m'ont écouté. Ils ont pris une note. Parce que nous avons demandé que l'État nous envoie les sorciers pour les délivrer. Que la religion ne peut pas délivrer les sorciers. Nous avons demandé nos doléances, qu'est-ce qu'on voulait, on attendait de l'État. Nous avons dit le temps que Dieu nous a donné. Nous sommes aujourd'hui à 246 sorciers délivrés. 49, merci. 49. Nous sommes à 4246 sorciers délivrés. Et que la prison ne peut pas délivrer le cœur de la sorcellerie. Et malheureusement, c'est vrai. Parce que il y a une meurtre. On le monsieur dit j'ai tué la prison. Et que l'homme a droit à la vie. Mais c'est une réalité. La prison ne peut pas délivrer les gens. Donc ne remettons nous la personne. Amen. Nous avons demandé que l'État nous aide à trouver ce sens. Et que même le sorcier, on ne doit pas le tuer. Parce que c'est de côté la vie humaine. Il y a d'autres religions, d'autres pays. Tel que le Cameroun, où les gens brûlent les sorciers. Non, parce que l'homme même a droit à la vie. Il y a d'autres religions, d'autres contrées, villages, d'autres pratiques où font danser les cercueils. Nous, en tant que chrétiens, ma religion, le christianisme, ne conseille pas ça. Ne conseille pas cette pratique. C'est des cultes aux morts. Et je ne suis pas dans ce genre de truc. Avant le cercueil a poigné quelqu'un, mais à d'autres points, quand le cercueil poigne quelqu'un, on le tue. On a vu le sorcier. Mais c'est un individu, il a besoin d'être délivré. Ces échanges qu'on a eu avec le directeur, c'est un responsable, vous dites désormais, il y a un centre ici. Mais qui est bien? Oui, nous délivrons les sorciers. Donc, si vous avez des petits sorciers, vous faites des vieux sorciers, envoyez-les dans le monde. Amen. Amenez-les, nous allons les délivrer. Nous allons les délivrer proprement. Amen. Est-ce qu'un sorcier dans une famille est un danger? Il est un danger pour la famille. Ce qui en lui détruit. Et comment on l'État? Amen. C'est ce que nous avons demandé à l'État. L'État est quoi? Ils ont pris acte. Ils ont demandé qu'ils ont envoyé un service technique. Ils ont les gérer tout ça. À qui va t'a qui vous? J'ai dit la sorcellerie. Mais front développement. Ils développent leur région. Comment est-ce qu'on introduit les problèmes de la région? Ils sont devant l'État. Le problème, c'est la sorcellerie. Nous avons besoin de sessionner la Côte d'Ivoire. Il faut une campagne de sensibilisation. Parce qu'en réalité, c'est un mal. Et d'autres nous font croire que ça n'existe pas. Ça existe.
Sauf dans ces temps-ci, il y a des tests qu'on envoie. Faites attention, fièvre Ebola. Ebola. Mais il y a plus dangereux que Ebola, c'est sorcier. Mais pourtant, on peut gagner Ebola, vous. Et puis Ebola, vous. Quand j'ai dit aux gens, j'ai dit, mais dans une vidéo, j'ai dit, même les sorciers peuvent aller acheter Ebola, ouais. Et il y a un coup quand on a dit, Ebola, vous, quand on a dit, ah, c'est là, j'ai dit, si. Oh, en même temps, on est sorcier. Et il y a un coup quand on a dit, on y est de nous. Il peut aller prendre ça. On n'y avait pas la caméra dans l'Ibéi. J'ai fait la délivrance dans un village. Et tout même la tout m'a dit. Ouais, Nyambo 2. Sous préfecture de Fresco. Oui, connais. Une jeune fille avait donné le sida à 60 personnes. Il veut venir là. Quoi, pour l'État. Le sida. J'ai la vidéo, j'ai les photos. Et Camille. Là, il y a un moment, il y a une est-ce que j'ai donné sida à telle personne, telle personne? Il n'y a pas. On a fait appel aux gens. À la quoi? Moi, je n'ai jamais bougé. Je dis, non, j'ai pas dit non. Moi, le coup. J'ai le terrain, j'ai détecté le sida. Et quand, c'est là que le même mot, vous m'avez dit. Et le monsieur dit, non, c'est pas vous, c'est pas vrai. Alors, pas fait le test. Mais m'a dit, on m'a dit, non, mais. C'est ce qu'on appelle la maladie mystique. Mais alors, il dit là, vous. Moi, j'étais atteint de ça. Ah, mais il y a mes amis. Mais pour moi, il était infertile. Non, je veux que vous voyez, j'ai pas d'aller où. J'étais musulman. Il a un promo comme tu. Là, il a ça. Fait qu'il y a un nom là. Oui. Je suis passé par là. Ni plus. Ma mère est peu malienne. Et non, malienne. Fils, fils de musulman. Non. Allez demander à Nyalé Gribo lorsqu'on a un intérêt musulman. Et tout. Quand on a vu le corps de mon père, on aurait fait la mosquée de notre ni pas, non, on a le coulé. C'est Jésus-Christ qui m'a délivré. Je dis moi ça. Moi, je n'ai jamais rêvé d'être chrétien. Et là, on a le Christ. Si je voyais ça dans mes rêves, j'allais combattre. Il allait à l'église, moi. Amen, pas je vois. Mais non. Je n'ai pas appelé à ça. N'est-ce pas là? Je pense que Jésus-Christ est révélé à moi. Et Jésus, comme il était quand les sorciers me donnent une maladie mystique. Vous gagnez, amen. Vous blanc. Quand me propose le maraboutage, j'ai réfléchi. Ne vois pas la gueule. Et qui va pas? Il ne voit pas Nassi, lui-même, d'un grand vivant de la vie. Et tout, Nassi, qui vendait la maman. Ils l'ont braisé, ils l'ont mangé à Christ. Quand il y a, on doit aller donc. Ils l'ont bien mangé à Christ. Quand il y a, tiri. On nous réveille la nuit, nous fait quoi les nazis? Lorsqu'elle va y aller, la seule protection se trouve en Jésus. Amen. Amen. Dieu, je peux te le dire. Amen, dis-moi ça. Oui. Non, pas mis, il dit-moi ça. Expérimentez ça. Et il y a bien, dis-moi ça. Je n'ai pas peur de. Mais mon sang, non. Ah, toi, tu parles des sorciers, mais. Je n'ai pas peur de son. Je n'ai pas peur de son. Et c'est le bouc à lui. C'est des comédiens. Ouais, crime. Face à la puissance de Jésus. Je dis, c'est des livres. C'est des comédiens. Crime, hein, quoi. Face à la puissance de Jésus. Tu ne peux pas permettre que le diable. On a une qui a été réveillé à nous. Tout le temps, c'est pas possible. C'est vous, encore. Vous savez, quand il est mal, il y a toujours un remède. Et quand il parle, et quand il parle d'Ebola. Et quand il parle d'Ebola, oui. Vous ne savez pas. Voyez, vous avez expérimenté sur deux Américains, ça a marché. Voyez, Américains, ça a marché. Vous avez demandé ça. Il doit y aller. Donc, on a prié Dieu à nous exaucer. Ah, vous avez dit, oui. Et nous nous réunissons en tant qu'église. C'est pas pour aller manger vos viandes de brousse. Et vous allez trouver bien en brousse. Vous dites non, Dieu m'a donné à vous. D'accord. Non, j'ai pris, ça va quitter. Mais Annie, elle attendait d'abord. Il a voulu le copain. Vous trouvez bien en brousse qui est mort. Et qu'est-ce qu'il y a pour la gueule? Hein? C'est pas Dieu qui t'a donné. La grande la main, là. Et voilà, dedans. Et voilà, quoi, amenez. Ah, tu m'as aussi prié. D'accord. Voici un défi devant moi. C'est ma chance du soir. Voilà. Oh, mais et voilà, bon. Mais vous mettez prier partout. Ah, ça, d'accord. Cosmo, bouillez. Là, là, vous dites, ah, voici un défi. Et mais quoi, là? Tu es merveilleux. Il y a quatre ans. On est là, tu vois. Voici Dieu m'a donné. Oh, là, ça, on y est. Et voilà, il est dedans. Et voilà, on est dedans. C'est une maladie très dangereuse. Goumon, comment on va? Ça tue en quelques jours. Donc, il est sort, il est tard. Moi, quand j'ai vu que l'ONU est restée incapable, on met le face à ce problème, là, même, oui, là, j'ai envoyé le sujet ici. Et là, oui, j'ai dit, levons-nous dans la prière. Là, Dieu, là, oui. Prions pour que Dieu donne la solution. On est là. Le remède a été trouvé. Amen. Oui. Amen. Je suis en train de soigner les Libériens, j'envoie les Libériens. Et c'est ça, quand il y a un mal, c'est l'église qui doit prier dans la prière. Oui, nous devons prier. Oui. Nous devons barricader la porte oui. Empêcher les volants de rentrer. Oui. Parce que ça se propage très vite. Ah oui, c'est mon manière, mon
Amen. Amen. Vous avez très bien écouté vos histoires d'Adam, Bruce, ou Ramassa. Amen. Quoi la tête? Il y a un poula. Et bravo. Hein? C'est pas Dieu qui t'a donné. La commandement, tu m'as donné. La commandement. Faut l'éviter. Maintenant, il va petit en tant que prière. Faut pas dire non, ma prière là-bas, délivrer ça. Poula. C'est pas pour la prière. Amen. Amen. Donc, vous donnez ce genre de conseil. Il a eu un. Attends, mais ta prière, moi, pas sorti. C'est pas mais pour la prière. Mais vous voyez, si vous avez un coup, et pour l'un, il est bien. Donc, ah, dis quoi. Ta prière, la main, la moyenne, pas et pour la. Non, vous voyez. Sorcier. Et vous voyez, et vous voyez. Si vous trouvez la vie, attendez, il y a un problème. Évitez ça, vraiment. Et vous, après la bête, d'un coup. Évitez ça. Après la bête, d'un coup. Ah, ma pas vu. En aimé. Qui va payer ça? C'est toi. Allez, c'est toi qui as mouru de mon indique. C'est oui, si on ne prie pas pour toi. Pourquoi vous voulez que ça contamine? Non, pour un seul. Qui va vous parler de toi? Encore, il va dire là. Bon, qui va vous parler de toi? Pas le même, c'est t'as donné maladie. Et pour il est beau là, dégagez-le. Allez, isolez-le. Ah non, ah non. Plus on meurt de cette maladie, on te brûle, on t'entend pas. Moi, je te vois si. Donc évitez ça, cette histoire. Non, mais oui. Vous êtes dans ici, non, j'ai trouvé rage, j'ai mangé. Il en a un bruit, il blanc, et ça. Et quand on lui a dit, il est con. Tu vois, biche, yaya. Et là, il y a un bain. Il m'a donné biche. La colère est belle. Et pour la colère, il m'a fait biche. Tu calcules une semaine de provision. Et ils ont levé dans la colère. Pour la partie, il y a un bain. Et pour la colère, il m'a fait. Mais c'est pour ça qu'on a compris, mais si, mais évite ça. Ah oui. Les animaux en rousse, évite tout ça. Il voulait quand même aller y aller. Donc on priait sérieusement pour ça ici. Appuyez vous même. Continuez de prier pour ça d'abord. Appuyez bébé. Parlez de ça autour de vous. Appuyez-vous. Parce que l'Afrique doit plus vivre ça. Non, 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 il y a des choses qui ne doivent plus vivre. C'est pour ça que l'Église, que le corps de Christ, nous avons un problème. Oui, quand même, ensemble. À pour lui, c'est à Bible d'ailleurs. Parce que nous avons la clé, la solution à problème. C'est nous, Jésus, regarde. Lorsque j'ai été choqué quand j'ai appris. L'homme dit qu'ils sont incapables de le faire. Ils sont en train de détruire le Libéria. La Sierra Leone. Et quand ça arrive au Nigeria. Nigeria. Je dis, mais tiens, il faut comprendre ça. Non, ah, mais il a pris. Ça n'a pas duré tout récemment. Il n'a pas pris. Ils ont quoi trouvé le remède. Voyez, il n'y a plus. Est-ce que pour acclamer, je suis pour ça. Voyez, pour moi, il voilà, n'y a plus. Amen. Amen. J'ai dit aux gens, le diable, il peut aller acheter une maladie. Il n'y a pas là. Après, il y a un peu de temps. On est deux, on est deux. J'ai une fille, elle a injecté ça à 60 personnes. Mais il veut y aller là. Si d'un coup, quoi pour l'état. Nous avons prié pour ces 60 personnes. Après, il y a quoi pour l'état. Après la prière, oui, oui, oui. Elles sont réparties faire les armes. Oui, oui, oui. Le sida a été neutralisé. Non, le sida, à où dans un coup. À la puissance de Dieu. Je dis, une tête de donc, elles donnent la maladie. Donc, après, vous voyez. Voilà. Ils ont ce pouvoir. Moi, quand même, tête, il d'accord. Vous ne faites pas de bonnes choses avec. Moi, vous avez des. Vous avez des. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, Jésus va te délivrer. Amen. Je veux. Il y a des personnes présentes ici que je veux présenter. Amen. Nous sommes en pleine vacances. Nous avons nos amis et frères. D'abord, je vais présenter Elisabeth. Elisabeth, quoi? D'accord. Je te tiens, c'est bon. C'est elle que nous prions. Oh bien, vous venez. Ouais. Et c'est à cause d'elle que je connais Zaroko. Moi, on dit, mais il est là. Elle était malade. On a rien. Elle m'a appelé depuis la France. Et le gars, vous là. Moi, je suis à Daloa. Quoi, Daloa? Je lui donnais une révélation. Mais la mort, il a quand même. Elle était atteinte d'une paralysie, ma chère de Béki. On a. Le voyage, mais on a je dis, j'avais un canari de Misty dans sa main. Non.
Le prophète, c'est un voyant. Le prophète, ce n'est pas le prieur. C'est la porteur de solutions. C'est pour cela qu'il ne prie pas parce qu'il ne voit pas. Quand tu rencontres un prophète, la situation doit se faire. C'est ça la différence. Mais les il vient pas pour se débrouiller, il vient t'apporter quelque chose. Donc j'ai dit à la dame, il y a Jésus va gérer ça. Je dis, dis-nous. Et moi je ne connaissais pas Zaro. Ah mais donc on a pris. Je me suis rentré à Zaro. Les prix de Zaro. Arrivé à Zaro. Il est dans la commune. Le Seigneur nous a puissamment utilisé. D'accord, il y a là le cas de non, non, ils ont commencé. À qui d'accord? D'abord on a déterré un canari dans une cour. Il y avait la chair humaine. On allait détruire leur poudrière. On détruit ça. Avec vous. N'oubliez pas que ici, hein, chaque semaine, les gens mourent en cascade. Vous avez payé. Il y avait quoi? Vous allez me dire que la mort est naturelle. Allez, en fait, c'est tellement qu'on ne doit pas accepter la mort. Et quand vous avez payé, les gens mourraient. Quand ils meurent, c'est normal, c'est naturel. Quand les jeunes meurent, c'est naturel. Quand les jeunes meurent, alors, les gens mourent en cascade. Dieu nous a révélé qu'il y avait des choses. Nous avons détruit. Aller dans le dispensaire. Nous avons enlevé le cardinal mystique.